Bonjour, Green de Star sur SFR Sport, c'est la découverte des plus grands sportifs français sous un jour totalement inédit. Le premier à avoir accepté donc de se prêter à ce jeu de la vérité, c'est Franck Leboeuf. L'ancien champion du monde va aujourd'hui dans cet écrin de verdure qu'est le golf du Prieuré dans les Yvelines, se défier lui-même, sans artifice et sans trucage. Monsieur Leboeuf. Wow. Après chacun des 9 trous que nous avons choisi de parcourir ensemble, il devra tirer au sort et répondre à une question en fonction de son score. Façon originale, façon parfois cruelle, de mieux connaître le vrai caractère de star qui cache des facettes méconnues du grand public. Franck Leboeuf, au-delà d'un certain soir de juillet 98 face au Brésil, Franck, au-delà de ses performances dans la première ligue anglaise notamment, Franck, le champion, est devenu aujourd'hui consultant radio-télé dont les analyses souvent pertinentes et les coups de gueule sont désormais réservés à votre chaîne. Mais on sait moins que la passion d'enfance de Franck Leboeuf, c'était de devenir comédien. Lui qui rêve de brûler les planches entre Paris et les États-Unis, va-t-il savoir déclamer ses réparties tout en croisant le fer sur le green? Début de réponse au practice, là où tout golfeur qui se respecte fait ses gammes avant d'entrer en scène. Bonjour Franck. Rachid, bonjour. Jusqu'à présent, tout va bien? Ça va pas trop mal. On continue. On va se gêner, si vous permettez. Faites comme chez vous. Merci. Vous connaissez le principe du jeu. Vous tirez au sort une question practice. Allez, on y va. La première. Et c'est moi qui la lis. D'accord. Il n'y a que le golf à la retraite. Drôle de question. Non, ça dépend en fait quelle retraite. Moi, j'ai fait ma première retraite de footballeur. C'est vrai que maintenant, je suis au théâtre, je produis, je joue, je quelquefois me mets en scène. Et en plus, il y a la télévision et la radio. Donc non, il n'y a certainement pas que le golf quand on a été quand on est retraité. Et puis vous n'êtes pas à la retraite aussi. Je suis trop jeune pour être à la retraite. Je pense que la retraite n'existe pas en fait. Je me rappelle des mots de Thierry Roland qui disait qu'il avait vu son ami Roger Coudert disparaître parce qu'on l'avait mis de côté et donc à la retraite et qu'il l'a vu disparaître très vite. Mon papa aussi s'est arrêté très jeune, n'avait pas vraiment de hobby. Il s'est creusé la tête et en fait il a attrapé une maladie et il en est mort. Donc moi je pense que j'arrêterai jamais. Vous venez là de mettre fin à une mauvaise image, le golf n'est pas un sport de retraité. Non, parce qu'en plus, quand on joue, je peux vous dire que quand on rentre à la maison, on est très crevé, parce qu'on a bien travaillé le cérébral. Et puis, si on veut envoyer, bah, il faut vraiment faire le mouvement et il faut donner pas mal de pêche, même s'il y a la technique, il y a du fouetter. Mais c'est demandant et puis il y a une belle marche de 6-7 km si on est tout droit. Si on n'est pas tout droit, ça peut aller jusqu'à 10. Bon, fini le practice, maintenant on va aller sur le terrain. Eh oui, on est parti, la vérité. Alors là, il y a virage. Pas mal du tout l'effet de trop. Bien rattrapé. C'est pas mal. C'est bien. Fallait pas tomber dans le bunker. Quel bunker? Je sais plus. Je l'ai pas vu. En trois là, Franck. Pas mal. Je suis assez content. Ouais. Il y a du par dans l'air. Monsieur les golfeurs, ou mesdames, ce serait sympa de relever ces pitchs, comme on dit. Très bien. Parce que là, vous voyez, j'en ai un autre, là. On vous laisse le drapeau, Franck, comme vous préférez. Non, je le garde, on sait jamais. Oui. Hein, ça peut aider. Ça descend un tout petit peu. J'aime ça. En fait, j'ai dit par, mais c'est un birdie en net. Eh oui. Donc, question birdie. Question birdie. Prenez celle-ci, celle du milieu. Elle vous plaît? Allez. On va vérifier.
Sur le parcours, quelle musique pourrait vous accompagner? J'avoue que le silence est d'or et que c'est très intéressant de pouvoir se retrouver dans la nature et entendre juste les oiseaux. C'est-à-dire qu'on a envie de s'échapper un petit peu aussi de la célébrité de tous les jours où les gens vous rencontrent et vous parlent. Et là, vous avez envie d'être seul. J'ai souvent, quand j'ai commencé à jouer au golf, joué tout seul. Mes copains me disaient que j'étais fou, mais je trouvais que c'était bien parce que j'étais dans ma carrière de footballeur. Maintenant que j'ai arrêté, c'est vrai que j'aime mieux partager, j'ai moins besoin de m'isoler parce que je ne me trouve pas devant 80 000 personnes dans un stade. Là, j'aime bien partager. Mais c'est vrai que le bruit du vent, les feuilles, les oiseaux qui gazouillent et les biches qui traversent, ça me va largement. La musique, j'adore, mais je trouve que ce n'est pas l'endroit. Jusqu'à présent, les questions ne vous gênent pas, elles? Non, pas du tout, en aucune façon. Eh bien, on continue? C'est parti. On va au trou numéro 2. Allez, pour un autre part. Je vous le souhaite. Moi aussi, je me le souhaite. Oh là là! Alors là, Rachid, j'ai fait un truc extraordinaire. J'ai du bol. J'ai fait ça, moi? Alors moi, je la voyais bien en l'air. Hein. J'ai rien compris. Elle est montée ou pas? Elle n'est pas montée du tout. Ah, parce que là, j'avais le soleil, je voyais rien en face. Et je pensais vraiment qu'elle était bien tapée. J'ai pas compris. Intelligent, ça. Pas mal. C'est très bien. Merci. Important, le petit jeu. Oui. Rachid, puisque vous faites rien, je donne le drapeau. J'ai toujours rêvé de vous porter le drapeau. Après Teddy Riner, Rachid Arabe. Eh bien, voilà. On remet le drapeau. Question part dans la foulée. Eh bien, la première. Un stade de foot est-il parfois comparable à une scène de théâtre? On m'a souvent posé la question, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a une approche avec le public, une approche directe avec le public, mais je pense que c'est incomparable parce qu'au théâtre, les gens viennent vous voir, ils ne sont pas normalement contre vous. Il peut arriver dans un stade de foot que la moitié ou même la partie entière ou majoritaire du public, si vous jouez à l'extérieur, soit contre vous et vous siffle. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une animosité qui existe dans les tribunes du football qui n'est pas présente au théâtre. Et puis, voilà, il y a certainement moins de monde au théâtre que dans un stade de foot. Et puis, la finalité de tout ça, c'est qu'au théâtre, on sait ce qu'on va faire. Et on sait comment ça va se terminer. Le sport a cette incertitude qui crée une euphorie, un stress, qui vous fait poser énormément de questions quand vous rentrez sur un stade. Finalement, le théâtre, c'est un sport collectif? Là, le rapprochement avec le foot, c'est que c'est comme une passe décisive. Donc c'est très important de la lancer au bon moment, de la lancer correctement. Si on lance par exemple une phrase en la coupant en deux, bah, parfois ça ne fait pas rire. Si on la lance entièrement, elle va faire rire. La psychologie humaine est telle qu'on est obligé de la disséquer pour faire rire les gens au théâtre. Si moi je ne lance pas bien ma phrase, la personne qui doit faire rire avec sa phrase ne fera pas rire. Et bien, ce qu'on va lancer maintenant, c'est la troisième balle. On y va. Ah. Pas droite. Ah, ça va. Elle vit bien. Elle vit bien, elle est un peu trop longue. Je pense que je suis pas bien. Hein. On l'aurait vu. Vous connaissez, Rachid, le principe du no guts, no glory? Non, vous allez me l'expliquer. C'est-à-dire que vous faites un truc à peu près suicidaire, mais vous l'assumez. Et si vous réussissez, vous avez la gloire. Je vous vois venir. Vous voyez venir? Gloire à vous, mon cher Franck. Parce que ça peut y durer dans les arbres. Mais bon, on va essayer de passer un peu externe. Gauche-droite. On va voir. Je serais ravi de voir ça. Moi aussi. Eh ben non. Ça va. Ça va. En fait, j'ai pris trop externe. Je voulais prendre ouvert un peu comme ça et partir. Et on est parti direct là-bas. Mais ça va, on est sorti du bois. On n'est toujours pas dans la catastrophe, hein? Non, mais ça commence à se préciser. Waouh. C'est vrai que ça a l'air bien, ça. C'est trop long. Aïe, 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 aïe. Ah, c'était beau pourtant, hein? C'était très bien parti. J'ai fait ce que je voulais. Ah, je suis déçu. Et elle a roulé. Ouais, c'est...
je trouve qu'entre les professionnels et nous, amateurs, on ne fait pas le même sport. Ils sont capables de jauger et, la balle et de savoir exactement quel coup et où placer la balle. Nous, on est à 10 mètres près, 15 mètres près. Eux, ils sont à 1 mètre près. Et eux, ont repéré le terrain. Eux, ils savent. Ils ont, en plus, ils ont un caddie. Ils ont un vrai caddie. C'est pas comme vous. Aujourd'hui, vous avez un caddie amateur. Voilà, on va dire. Enfin, je ne vais pas vous mettre ça sur le dos quand même. Ah, c'était pas mal. C'était assez difficile de faire beaucoup mieux. Ouais, un peu plus à gauche, ça a permis de prendre la bonne ligne, mais... Bon, ben, il reste plus qu'à la mettre. Ah non, c'est trop. Ah, on va se mettre un peu à l'ombre. Vous me sentez fatigué ou quoi? Pas du tout. D'accord. Je vais tirer maintenant la question bogey. Ah oui, c'est ça, ça. Toujours au hasard, je rappelle le principe. Celle-ci. Votre carrière est une réussite. Y a-t-il des mauvais coups que vous aimeriez rejouer? Alors, je ne parle pas de la partie de golf d'aujourd'hui. J'avais bien saisi le double sens. En fait, non, je vis sans regret et sans remords. Il y a des choses qui ont été faites. Peut-être dans la perception que les gens avaient de moi, des choses que j'ai faites en dehors du foot. Au niveau du football, à un moment donné, j'ai eu la possibilité de jouer au Real de Madrid, et au Real Madrid on dit même, et j'ai refusé parce que j'étais à Chelsea et que j'étais bien. Et en fait, j'aurais peut-être dû y aller, mais bon, après coup, je me dis que c'est la vie, que c'est comme ça, et qu'il ne faut vraiment rien regretter parce que j'ai eu la chance d'à peu près tout gagner, d'avoir une belle carrière de 17 ans et des émotions fortes. On va profiter du golf du Prieuré encore, si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Au soleil. Au soleil, avec un autre grand coup. C'est pas terrible, mais avec le résultat qui compte. Oh, je l'ai raté. Ah, ça c'est beau, ça. J'espère que vous l'avez bien filmé, celle-là. Je vais regarder le drapeau. Tout le golf résumé à nouveau dans cette image. C'est un peu ça, ouais. Oh là là, catastrophe. Comment j'ai pu rater ma balle sur un putt? C'est le principe du jeu. Parfait. Pas d'artifice, pas de trucage. Je prends. Et vous êtes vous-même, ce dont je vous remercie. Bah, c'est un vrai depuis plaisir. Le début. C'est un vrai plaisir. J'espère que ça va durer après cette question. Selon vous, pourquoi le golf est un sport à part, entre guillemets? On vient de voir une partie de la réponse. Parce que je pense que le golf est un sport à part parce qu'il apprend avec grand excès l'humilité. Et qu'un grand coup de 250 mètres vaut exactement la même chose qu'un petit putt de 5 cm. C'est vraiment un sport extraordinaire. On a l'impression que c'est ludique, mais quand on se prend au jeu, déjà c'est une drogue. Est-ce que ça vous sert dans la vie, le golf? Ah oui, ça m'a servi déjà dans ma carrière de footballeur. C'est vrai? Oui, parce que la position que j'avais, en fait, ce qu'on appelait libéraux, défenseur central, mais libéraux, c'est qu'on avait des temps de travail, des temps de repos. Et donc, le golf m'a appris à pouvoir me décontracter entre ces temps forts et ces temps faibles, et donc profiter des temps faibles pour me relâcher et me remettre dans la concentration et pas m'épuiser. Alors, on appelle ça aussi l'expérience, mais c'est vrai qu'au golf, vous jouez un coup, vous êtes très concentré, et puis après, vous marchez, et là, il faut lâcher la pression. Ça m'a appris ça. Après, dans la vie de tous les jours, bah oui, l'humilité, c'est-à-dire qu'on ne tient rien. Dans la vie, on ne tient rien. Et cette petite balle vous apprend que bah, c'est un petit peu votre vie. Qu'est-ce que vous en faites et comment vous allez rattraper les mauvais coups de la vie et comment vous allez réajuster les choses. Et l'humilité, vous en faites preuve parce que vous vous mettez à nu devant nous, finalement.
Bon, avec vous, le champion, vous acceptez de vous mettre en difficulté? Bon, vous savez, le ridicule ne tuant pas, j'ai aucun problème à rater un coup. Oui, oui, non, non, ça va très, très bien. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et là, ce plaisir, on est dans la nature, on est bien. Vous m'invitez gentiment à votre émission. Je joue dans un golf extraordinaire. C'est vraiment que du plaisir. Si je rate un coup, voilà, c'est la vie, comme on dit. Les bons coups sont à venir. J'espère. On y va. Mince. Mais je suis trop long à chaque fois. Ah, pas du tout. Ça vous... Alors là. Ça vous oblige à un joli coup encore. Ouais, mais là, je peux. Oui, je passe pas au-dessus. Elle avec monte les pas arcs. Beaucoup, non, ouais, non. Avec les arcs, je passe pas. Donc il faut être prudent. C'est malin. Ouais. C'est malin quand même. Ouais, il fallait pas être trop aventureux. Je préfère. Vous n'êtes pas un gourmand. Hein? Vous n'êtes pas un gourmand. Oh, je peux l'être. Ah ouais. C'est bien ça. C'est excellent. C'est excellent. Excellent. Merci. Oh, pas mal. C'est très pas bien. Mal. C'est pas mal. Si ça. Vous êtes bien conseillé aussi. Ah, j'ai un grand caddie. Vous l'exporte le sac? Non, ça va aller. Vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez pas réfléchir, porter le sac. Et... Je suis encore loin. Hein. Reste un bon maître. Quand je vous disais que le golf c'est frustrant. Nous venons donc de jouer notre cinquième trou. Allez, celui qui apparaît là. Orage, interruption du jeu. Mm-hmm. Au clubhouse, vous avez le choix du programme TV. Lequel? Bon, comme je suis sur le lieu, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose au niveau du golf. Sinon, vous êtes plutôt télé-réalité ou pas, en fait? Pas vraiment, pas du tout même. Pas du tout. Je suis même déçu que vous me posiez la question. Non, non. Mais vous pouvez me la poser aussi. Vous regardez la télé-réalité? Non. Non plus? Mais qui regarde la télé-réalité? Beaucoup de gens, pourtant. Non, vas-y, vous leur dites qu'il ne faut pas. J'ai quelques... question sur votre rôle de consultant. Oui. On a l'impression parfois que vous êtes un peu le gêneur dans cette affaire-là. Ouais. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Je ne sais pas, je ne me pose pas vraiment la question. Je pense que... moi, je sais que les journalistes ont créé une hiérarchie au niveau des gens de 1998, avec Zizou en premier, puis sans doute Didier Deschamps après, et d'autres qui ont suivi, et que je ne fais pas partie du haut du pavé, en c'est fait. C'est drôle que vous pensiez ça. Le monde du football m'a intéressé parce que j'aimais le sport, mais les gens du football m'intéressent moins. Je fais ça parce que c'est une vraie passion, parce que j'aime discuter du foot avec mes amis et puis à la télé. C'est très honnête, très bien. Merci. C'est bien de me donner des choses comme ça. Ça, c'est bien, ça. Ah, j'ai un peu gratté. Ah, j'espère qu'elle n'a pas touché, rentré dans le bunker. Aïe. Ah, fainéante. Alors. Alors, il faut calculer. Parce que je vais péter. Hein. Ah, c'est trop court. J'ai senti. Vous l'avez immédiatement senti. Ouais, ouais. Bon. On est à 4 là. Oui. Oh, j'ai voulu l'attaquer. Non. Ah ben là, vous avez les images. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Question bogey, cher Franck. Ça va être dur, là. Allez. Celle-ci? Celle-ci. Qu'aimeriez-vous changer de votre vie pour réaliser la vie rêvée? Je n'ai rien envie de changer. Je trouve que ma vie, elle est pour l'instant extraordinaire. J'ai souffert avant de réussir à être professionnel. J'ai travaillé très, très dur.
J'ai eu une carrière de footballeur qui n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. Je maintenant travaille dans le cinéma et le théâtre, avec la télévision. Je vais faire une nouvelle émission de télé que je vais présenter moi-même. Je vis très très bien et je n'ai pas besoin de plus. Si ça continue comme ça, je suis très heureux. Et si j'ai autant d'activités, c'est parce qu'elles sont passionnelles, sinon j'arrêterai tout de suite. Elle était bien tapée. Hein. Alors ça, si ça y va, non, me mets pas dans le bunker. Tourne, 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 petit, tourne. Voilà. Alors, on verra bien. Mesdames, messieurs, Franck Leboeuf. Sans pression. C'est à peu près là où je voulais aller. Bravo. Merci. Un deuxième très joli coup, si vous me permettez. Merci. Une question par. Grave. Allez, la première. Dans quel endroit du monde aimeriez-vous taper un drive? Moi, franchement, si j'avais le privilège de jouer une fois à Augusta, comme c'est pratiquement impossible, voilà, le fantasme, je crois, du golfeur, c'est de jouer où se joue une fois où se joue le Master. On sait que c'est impossible. Mais voilà, si vous me posez la question, ce serait un rêve. Parce on que essaie de vous arranger ça, mais on joue ensemble dans ce cas-là. Ben, on joue ensemble. Est-ce que vous avez l'impression d'être un privilégié ou d'avoir déjà été un privilégié dans ma vie? Je suis un privilégié. Mais je me sens pas usurpateur. Je pense que chacun a le droit de rêver à une vie fantastique. J'ai bossé dur pour y arriver. Certains diront que taper dans un ballon, c'est facile, mais c'est ceux qui ne connaissent pas ce métier-là. Et puis, oui, j'ai des possibilités de faire ce que j'ai envie. C'est ça, le privilège suprême. Je pense que beaucoup de gens ne font peut-être pas le métier qu'ils aiment. Ils le font parce que il faut ramener des sous et à manger à la maison. Moi, j'ai la possibilité de faire ce que j'aime et de choisir même. Un peu trop à droite, mais ça, je m'en doutais. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Monsieur Leboeuf. Wow. Hé, hé, hé. Oh, c'est court, feignasse. Ouf. Comment on dit en anglais, never up, never in. But now, in. Yeah, sure. Et voilà. Bravo. Allez-y, question par. Celle-ci, monsieur Arabe, s'il vous plaît. Oh, monsieur Leboeuf. À part, moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment à part. Que plus je vous découvre, plus vous avez une personnalité qui a besoin d'être creusée et vous n'êtes pas celui que l'on croit. Je pense que les gens qui sont proches de moi savent qui je suis et ma façon de penser et de voir la vie. Après, nous sommes tous des hommes de lumière qui faisons apparaître certaines choses. Des choses que vous avez envie de garder. Des choses que j'ai envie de garder, des choses parce que c'est pas ma discipline, donc je ne vais pas en parler, parce qu'on pourrait parler de politique, on pourrait parler de livres, on pourrait parler de plein de choses qui m'intéressent, mais qui seraient déplacées, parce que bien sûr, des gens diraient, mais de quoi il s'occupe? Il est footballeur, qui se taise, qu'il a couru dans un ballon, on les connaît toutes les phrases. Mais ça ne me dérange pas, je le fais en cercle restreint, c'est très amusant avec mes amis, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord, mais voilà. Ce ne sont pas des discussions de comptoir, mais on n'est pas loin. En tout cas, pour moi, c'était un moment à part. C'était un moment, moi aussi, très appréciable. C'est par là que ça se passe maintenant, monsieur Leboeuf. Allez, on y va. Le dernier trou. Alors ça, ça fait mal. Voilà. Allez, trop à gauche. Dommage, quel beau coup. Ouais. Le bœuf 2016 ne vaut plus rien. Bon, monsieur Leboeuf, vous continuez? Je continue. Stop ou encore? Oh, encore, encore, encore. Encore, toujours encore. Par contre, j'ai arrêté de jouer au foot. Ah voilà. Oui? Vous avez arrêté de jouer au foot? Ah oui, je joue plus au foot du tout, non.
non, ça. Mais j'ai même pas envie de taper dans un ballon, quoi. C'est dingue, ça a été un super sport, un super métier. Et je pense que c'est dangereux, en fait, pour les gens de plus de 40 ans, parce que le cerveau pense que vous pouvez les faire, et puis là, c'est là que vous faites mal. On sait qu'elle est roulée plus que ça, vous voyez. Ah non! On tourne les poignets encore, hein. Ouais. Allez. Oh. Non, c'était pas joué, ça. Question bogey. Avant-dernière, d'accord. Question bogey en plus, parce que j'ai été très mauvais sur les putting, comme d'habitude. Le golf, c'est du relationnel, une obligation ou le plaisir du jeu? Non, c'est le plaisir du jeu. Le relationnel, je n'ai jamais trouvé dans le golf. C'est vrai qu'on peut rencontrer des gens plutôt sympas, qui ont peut-être une position importante, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai recherché. Moi, je pense que c'est aussi du relationnel. Est-ce que c'est du relationnel? C'est du social. Mais du relationnel, je pense que le relationnel, c'est vrai. C'est quand on a une pensée intérieure, c'est de rencontrer des gens qui ont plutôt une position, puisqu'ils jouent au golf, donc ils ont peut-être un petit peu plus d'argent que la moyenne des Français ou la moyenne des gens sur Terre. Et donc, on peut peut-être leur soutirer quelque chose. Donc, c'est dans ce sens-là que je le voyais. C'est pour ça que je réponds non. Après, oui, c'est du social. Après, c'est vrai que il y a une égalité, et moi j'ai rencontré, je suis allé jouer un petit peu partout, j'étais à la Barbade, où j'ai joué avec mon caddie, qui avait des clubs, mais d'un autre temps, et qui jouait extraordinairement bien, et c'était très beau à voir, et je trouve que oui, voilà, tout le monde est égal de toute façon devant le sport. Il n'y a pas, alors il y a des gènes, il y a un don, mais ce n'est pas le niveau social qui va vous apporter un peu plus. Le 19e trou. Je mets là. Hein. Allez-y. C'est le verre est un peu plus rempli. Allez, la question du 19e trou. Est-ce que vous avez été patient? Et la dernière. Ah bah tiens. Que faut-il faire pour développer le golf en France? C'est une très bonne question. Au niveau médiatique, on doit faire quelque chose. Moi, j'ai vécu en Angleterre. Tous les jours, vous pouviez regarder du golf. J'ai vécu aux États-Unis. Tous les jours, vous pouviez regarder du golf. C'est une religion dans ces pays. Je trouve dommageable qu'en France, on n'est pas à l'approche de la Ryder Cup en 2018, que le golf n'est pas... La fédération ne pousse pas un petit peu plus sur les médias pour pouvoir avoir un peu plus de visibilité et rendre ce sport, c'est vrai, peut-être un peu moins exclusif, un peu plus ouvert. Moi, je voulais vous remercier encore une fois et une dernière fois, très sincèrement, d'avoir complètement joué le jeu. Vous êtes livré. D'abord, vous le livrez au golf, tout simplement, parce que ce n'est pas un exercice facile. Merci. Et vous êtes surtout livré à l'exercice des questions d'une façon aussi libre, en tout cas, j'en ai eu le sentiment, et que c'était un agréable moment et que vous êtes certainement, pour Green de Star, le meilleur début qu'on pouvait espérer. Eh bien, écoutez, merci. Merci de m'avoir donné cette chance-là de m'exprimer. Et vous savez, à partir du moment où on est honnête et sincère, on a le droit de tout dire. Alors, à votre santé, mon cher Franck. Santé, mon cher Rachid. C'était Franck Leboeuf, dans Green de Star.